C'est solidaire d'abord pour la 17e année consécutive. Tu te rends compte, ça ne nous rajeunit pas, Sylvain. Ça fait 17 ans que ça dure et qu'on essaye d'être dans une émission grâce à Fréquence 7 où on défend l'intérêt général sans parti pris. En tout cas, c'est l'objectif. Ouais, on dénonce, on est là pour dénoncer. Et on est là pour dénoncer aussi les dérives de certains, etc. Mais on va avoir une introduction qui va nous expliquer tout ça. Hein, c'est ça ton introduction. Je vais essayer. Ben voilà, le temps des vacances est terminé. Il faut reprendre. Il y a ceux qui reprennent le boulot, la boule au ventre, parce qu'ils ne réalisent jamais rien de leur passion sur le lieu de leur travail et doivent affronter d'incompatibles horaires avec leur vie privée, tout en effectuant des tâches ou en assistant à des réunions débiles qui n'en finissent pas, sans échange, sans saveur, où il est nécessaire de tisser le fil de l'ennui avec assiduité. Et puis, il y en a d'autres, quelques autres, appelés suivant les époques bourgeois, seigneur, éminence, chef ou élite. Les premiers de la classe, vous savez, ceux qui ont toujours navigué avec les forces dominantes et qui sont toujours là pour mettre en place avec application les volontés politiquement correctes ou pas du moment. Ceux pour qui la vie est un champ d'eau douce et limpide où coule une rémunération attractive, une culture généreuse et abondante gravée dans les petits cerveaux dociles, des temps de partage zen, des séminaires, des espaces apaisés, des rencontres conviviales favorisant les relations privilégiées, des espaces de bien-être où l'on vous remodèle le corps et où on vous régénère l'esprit pour devenir le Playmobil indispensable au bon rouage d'une économie au service des plus aisés. Des clubs privés de relations vraies, mais pas de promotions amicales. Eh oui, c'est la rentrée. Rien n'a sans doute vraiment changé. Le monde d'hier ressemble étrangement au monde d'aujourd'hui. Dommage qu'il soit flasque et triste comme les montres molles de Salvatore Dali. Pourtant, tout devrait être tellement différent. Dans chacune de nos villes, dans chacun de nos villages, où il y a toujours quelqu'un qui pense pour nous. Un exemple, bien, le seigneur des panneaux veille sur vous. La région vous aide, la région vous aime, la région vous accompagne, vous assiste, vous embrasse sur la bouche et peut-être même sur le nez, avec le risque de vous étouffer. Eh oui, la région, ces panneaux vous gavent, comme je vous comprends, moi aussi. Au fond, la région fait son job, non? Les compétences des régions, c'est le développement économique, l'aménagement du territoire, la formation professionnelle, la gestion des lycées, les transports. Au fond, la région a des compétences attribuées, elle reçoit les fonds nécessaires de l'État par l'impôt pour réaliser son job. Mais alors, c'est quoi ce monde de panneaux bleus dans nos villages qui nous englue le paysage et représente un coût minimum de 1,2 million d'euros? La promotion de la région ou la promotion de M. Wauquiez? Moi, la rentrée, vous voyez, je l'aimerais en couleur, sans télé, sans fanfaronnade, sans désir de consommation inapproprié, sans dominant vorace, sans capitaliste, sans néolibéraliste, sans fasciste, et si possible, sans panneau promo région. Docteur, il n'y a pas un calmant pour limiter l'égocentrisme et freiner les dépenses inutiles? La rentrée, oui, je la rêve, je la veux, éprise de liberté, joyeuse, fraternelle, apaisante, et même, de temps en temps, silencieuse. Que j'aime entendre le son du vent, le soir au fond des bois. Bonne rentrée, mes amis, douce rentrée. Mais est-ce encore possible dans ce monde de barges qui ne vous entendra jamais? Oh, bravo. Et alors, t'as une suite, toi, c'est que tu voulais parler aussi de la ruralité de... Oui, ben c'est, vous avez les élections législatives. Notre candidat a fait pas le nôtre, pas le mien du moins.
qui est passé, qui a parlé de la ruralité. Il était pour la ruralité. Mais ça veut dire quoi, la ruralité, être pour? Tout le monde peut entendre ce qu'il veut dans ce mot-là, dans cette phrase. Tout le monde peut interpréter à sa façon et voir la ruralité différemment. Qu'est-ce qu'on attend d'un député? C'est de défendre la ruralité ou défendre les intérêts de tout le monde? Est-ce que la ruralité concerne tout le monde? Ou la ruralité des villes, la ruralité des campagnes? Quelle ruralité? La ruralité des lobbies Des chasseurs? Des chasseurs, oui, parce que les associations ont été privées de subventions, les parcs régionaux ont été privés de subventions par la région, justement. Et monsieur Brun, là, au milieu, là, qu'est-ce qu'il dit de tout ça? Qui se prononce? Évidemment, monsieur Wauquiez, c'est son chef, c'est le trésorier, c'est lui qui tient la cagnotte. Donc c'est peut-être un peu compliqué, mais bon, il a été élu dans son grand courage et sur ses publicités là, ou ses panneaux là, qu'il a affichés pendant la campagne. Il n'a même pas été foutu d'annoncer la couleur de son parti politique. Quel courage! Bravo, oui. Mais bon, maintenant, il faut être assumé. Et quand on voit que peut-être ils vont élire Ciotti à la tête du. Voilà, ça, du RR, ça pose un problème quand on sait l'idée de Ciotti. Est-ce que M. Brun va continuer à soutenir Ciotti? Parce que c'est lui son chef de parti? Je me pose des questions. Alors, bon, il y a, vous entendez bien, dans ces émissions de Solidaires d'abord, tout est un ensemble de réflexions sur la vie, mais il y a aussi des choses concrètes que l'on défend ou que l'on annonce. Et donc, par exemple, dans ce qui s'est passé dans le calendrier récent, il y a eu le 13 septembre la visite, enfin c'est pas la visite, c'est une conférence qu'a tenue Christophe Prudhomme, une conférence avec débat, hein, c'était ouais. Au fil de l'eau à Pont-de-Menac, qui était aussi de Nice, c'était qualité. Oui, bien sûr, on était très nombreux. Il était quand même plus d'une centaine. Ah, oui, largement plus d'une centaine. 150, ils ont rajouté les chaises parce qu'ils n'avaient pas assez mis. Ouais. Puis c'est déjà très attentif qu'ils soient jusqu'au bout de la conférence. Si vous voulez avoir un tout petit peu des éléments là-dessus, vous pouvez toujours aller sur YouTube et taper pluriel au pluriel, P-L-U-R-I-E-L-S, et vous avez plusieurs vidéos qui rendent compte de cette réunion. Le 17 septembre, on a eu la Confédération paysanne qui a fait sa fête à Bise. Et c'est vrai que c'était vanté, hein. c'est pas parce que ça s'appelle Bise, mais c'était vanté. Hein. Le matin, c'est frisqué. Voilà. Alors bon, c'était très sympa, comme d'habitude, avec la conf, et puis il y avait plein d'exposants, à la fois des gens qui font de la production locale, oui. Et à la fois des exposants politiques. Militants. Voilà. Militants. Le parc politique, militant. Il y avait l'NPO qui n'était pas... C'est militant, c'est pas politique. Oui. Il y a toujours un peu de politique dedans, il y a toujours, voilà. Ouais. Comme je disais, il leur supprime les aides, donc c'est quand même militant. Pareil sur Pluriel, vous pouvez en avoir une idée. Alors, dans les événements qui sont à venir, le 22, c'est jeudi ça, il y a une manif pour la santé, le social, le médico-social. Donc venez nombreux, venez dire à quel point notre région est en souffrance au niveau du social et du médico-social, hein, parce que là, petit à petit, on rentre dans un budget qui a été calculé par cette région de droite, où là, il n'y a plus de cadeaux, hein, plus de cadeaux sur le social, tout est... La bourse est de plus en plus serrée, et les gens sont... Non plus de boulot, en fait, hein, pour ceux qui travaillaient dans le social. Puis on l'a vu pour le médical, hein, avec les urgences qui, soi-disant, pas fermées, il fallait faire le 15 qui filtrait. Et maintenant, de plus en plus, on voit que les pharmaciens se substituent aux docteurs. Les gens sautent le docteur pour aller directement aux pharmaciens chercher des médicaments. Enfin, ceux qui ont les moyens, parce que du coup, c'est pas remboursé. Si on n'est capable de médecins, les gens, il faut trouver une alternative. Et c'est le pharmacien qui, pour le moment, bouche tout. Et puis pour avoir un rendez-vous, c'est quand même pas compliqué. Il faut aller sur Internet. Et souvent c'est un mois après. Là moi je vais voir un dentiste, je vais à Marseille, figure-toi, parce que j'arrive pas à trouver là pour quelque chose d'un peu important, ben voilà, tu peux pas avoir des rendez-vous comme ça, enfin bon, c'est pitoyable là. C'est plus compliqué. Ouais. Malheureusement, celui-là, il n'y a pas de médecin référent. Exactement. Le 24 septembre, on a une journée à Chazot.
toute la journée sur une rencontre citoyenne, en fait, hein, autour des idées de la NUP, en fait, hein, ouais. Autour du programme de la NUP, mais en même temps, c'est le très ouvert, c'est-à-dire que tous les gens qui veulent participer, qui ne sont pas encartés, qui sont seulement... C'est ouvert à tous les citoyens. Voilà, c'est ouvert à tous les citoyens. Ça commence à 10h. Il y aura donc des débats. Il y aura des rencontres intéressantes, il y aura à un moment, il y a quelqu'un qui viendra nous parler de la vie chère et comment on arrive à s'en sortir. Enfin bon, il y a plein de choses toute la journée, jusqu'au soir. À 19h, il y a un repas, 20h, un repas, ouais. Et puis il y a une animation musicale à la fin. Voilà. Enfin, voilà. Et à midi, c'est un repas tiré du sac. Voilà, à midi, il faut amener son repas, voilà. C'est la raison de le préciser. Le 29, on a aussi une manif, donc alors là c'est contre la politique du pire, et donc c'est pour le progrès social et pour la hausse des salaires, parce que bon, ça suffit de nous mettre des rustines avec des espèces de primes à la noix. Donc quand est-ce qu'on hausse les salaires, quoi, puisqu'on se retrouve avec une marge moins grande sur pour le pouvoir d'achat, le pouvoir de vivre. Hein. Oui, et puis les primes, c'est aléatoire, hein, c'est pas. C'est une prime. C'est pouvoir d'achat, pouvoir de vivre qui seront au centre des discussions du 24 aussi. Hein. Ouais. Le salaire doit permettre aux personnes de vivre décemment. Voilà. Tout simplement. Enfin, on doit pouvoir mener une vie correcte avec son salaire. On n'a pas besoin d'avoir forcément, disons, des primes ou des tickets ou je ne sais pas trop quoi, des trucs complémentaires. On doit avoir une paye correcte. Oui, pour vivre décemment. Surtout que les primes, il faut pas se faire d'illusion. Hein. Les primes, c'est. C'est pas Macron, c'est nous qu'on les paye les primes derrière. Bien sûr, on les paye pour l'autre. C'est différé, c'est tout. Hein. Voilà. C'est différé. Et après, on a le double peine, c'est qu'on va avoir l'augmentation, il faut rembourser cet argent-là. Donc on va cumuler les deux. Donc on recule l'échéance, ça s'arrête là. Et puis comme tu dis, c'est aléatoire. Ouais. Donc c'est au bon vouloir du dominant de les donner ou pas les donner. Voilà, et puis donner à certaines personnes. De les donner à certains et pas à d'autres. Sur quels critères, on ne sait pas. Donc le salaire, il y a des grilles salariales. Le salaire, c'est, on nous le doit. Quoi. Enfin, oui, c'est réglé pour diviser. Voilà, c'est en échange d'un travail. Et tout travail mérite salaire. Et salaire 22 et 29, ce sont des journées nationales. Hein. Et puis il y a une autre journée nationale qui se profite, c'est le 16 octobre. Où là, ce sera contre la vie chère et l'inaction thématique, parce que notre gouvernement ne fait rien. Et alors, donc, justement, en parlant d'inaction thématique, donc le 16 octobre, mais on aura l'occasion d'en reparler, moi, je voulais commencer cette émission vraiment en parlant des incendies. Parce que donc, on a eu des incendies, hein, c'est un constat, voilà, et puis on s'est retrouvé, par exemple, là, avec l'incendie à proximité, où au début, en tout cas, il n'y avait pas de canal d'air. Pourquoi il n'y avait pas de Canadair? Ben parce qu'il y avait des incendies ailleurs et qu'on a de moins en moins une flotte de Canadair de moins en moins importante en France. Alors ça, c'est dans l'imprévision de ce gouvernement. Ça fait quand même un moment que ça dure sur plein de choses. Mais en même temps, c'est quand même une politique pensée. Il y a un plan. Parce que, par exemple, l'ONF est déshabillé depuis 20 ans, hein, tout doucement. On est passé de 15 000 personnes qui travaillaient à l'ONF et à 7 700 maintenant. Ça veut dire quoi? Pourquoi je parle de l'ONF? Parce que, évidemment, que les gens qui travaillent à l'ONF sont ceux qui sont capables de prévoir comment faire des coupe-feu, comment prévoir l'accès un petit peu partout sur les parcelles pour pouvoir intervenir rapidement, etc. Pour que le travail du pompier puisse se faire. Tu peux peut-être en parler. Oui, l'ONF, c'est l'Office national des forêts, mais pour les propriétaires privés, il y avait le CRPF, Centre régional de la propriété forestière, qui s'intéressait aux forêts privées pour les mettre en valeur, pour justement faire des pistes, avoir des subventions pour faire des pistes et tout. Et là, c'est pareil que l'ONF, on supprime les agents, ou on fait des agents qui sont sur une échelle électable. Donc voilà, c'est très compliqué pour eux, et on les supprime tout doucement, on supprime. Il y avait une antenne sur Aubenas, maintenant c'est en permanence, donc il y avait un permanent toute l'année sur Aubenas. Maintenant non, il est détaché, il avait deux permanents, une qui était sur le plateau, qui s'occupait du plateau des chats, et l'un qui était plutôt sur ici. Et ben oui, du coup, ils ont supprimé un poste, ouais. Et le deuxième, ben, il est plus polyvalent, et la région est assez agrandie.
Donc même quand c'est pour les propriétaires privés, c'est là à la limite où c'est là où il y a le plus de surface, on dirait, parce que ces propriétaires privés, c'est encore plus grand que ce que gère l'ONF. Ben oui, les subventions et les agents qui s'occupaient pour motiver les gens, les propriétaires privés, d'investir dans leur forêt, et puis regrouper, faire des regroupements parcellaires et tout, et bien même là aussi, on gratte et on supprime les agents. Alors aux États-Unis, ils commencent à avoir des pompiers privés. Oui. Voilà. Donc c'est certainement à ça qu'ils veulent essayer de nous amener, hein, tout doucement. Parce qu'effectivement, là, ils ont supprimé quand même 1000 camions-citernes. Tu te rends compte, depuis 2006. Donc effectivement, on a de moins en moins de moyens pour pouvoir agir contre le feu. Et il y a de plus en plus de feux puisqu'il y a un réchauffement climatique. Enfin, bon. On glisse de plus en plus vers un état régalien. C'est complètement fou. À part, disons, l'armée et disons, la sécurité intérieure, enfin, la police, tout le reste, je pense, ne les intéresse pas. Et petit à petit, ils l'abandonnent. Hein. C'est-à-dire, on le voit pour l'hôpital, on le voit pour la culture, C'est la même dynamique, c'est la même façon de faire. C'est la même façon de faire. C'est ce qui a été prévu à l'OMC. L'OCDE, pardon, dénonçait ça déjà, enfin on a dénoncé ça parce qu'à l'OCDE, ils nous ont expliqué en 2000 comment on faisait pour casser les services publics. On coupe les revenus, on rend les gens très pauvres enfin, dans leurs services, donc ils ne peuvent plus vraiment travailler, on ne leur donne plus les moyens de travailler correctement. Et après, on les compare avec le privé, on dit ils sont incapables. Et l'État se désengage par rapport au feu, etc., puisqu'il donne, il essaye de refiler la responsabilité aux communes. C'est ça qui est en train de se passer. Et Alain, tu voulais parler des... Lorsque j'étais maire, c'est vrai qu'il y avait des transferts qui s'opéraient. Hein. Je me souviens, entre autres, chaque année, sur une commune comme Saint-Julien-du-Cerf, on attribuait au SDIS environ 12 000 euros. C'est quoi le SDIS? Le SDIS, c'est le des pompiers, disons. Le centre de l'incendie. Sur le plan départemental, les responsables sur le plan départemental. Donc il était tout à fait normal, moi je trouvais tout à fait normal, disons, qu'on ait bien sûr une participation communale pour que ce service puisse fonctionner. Seulement, d'année en année, ils assumaient de moins en moins, disons, leur rôle, sans doute parce qu'on les contraignait à ce genre de choses. Hein. C'est-à-dire, il y avait des réserves, par exemple, d'eau. Moi j'avais refusé de la prendre en charge parce que c'était eux qui avaient cette responsabilité au départ, et il y avait un transfert, donc il y avait un transfert de responsabilité, de suivi, et puis des charges en plus qui arrivaient. Et on a vu exactement pareil par rapport au banc d'incendie, c'est-à-dire on avait de la part du SDIS une augmentation annuelle de nos charges par rapport au SDIS, et des services de moins en moins importants, et on avait été obligé de prendre. Nous on avait pris le CEBA, parce que le CEBA, disons, s'était glissé dans sa proposition de service sur l'entretien des bornes d'incendie qui sont dans tous nos villages. Mais au départ, c'était quand même un service qui incombait les pompiers, enfin les SDIS. Et c'était combien qui demandait pour la réserve d'eau en argent? Oh, je ne me souviens plus. Je ne veux pas dire ce titre parce que je ne me souviens plus. Mais disons, c'est, moi par principe, de toute façon, je ne souhaitais pas. Donc on est allé jusqu'à... disons, l'opposition totale, c'est-à-dire, ils m'ont dit, on va la démonter, je ne pensais pas qu'ils en étaient capables, si, ils ont démonté la réserve d'eau, et en disant, vous en serez responsable s'il y a, disons, un incendie. Quoi. Donc c'est vrai que c'est pas évident à assumer. Bon, alors, ceci dit, on a un ministre qui s'appelle Béchu, alors, je crois que c'est Christophe Béchu, je ne suis pas sûr du prénom, qui est ministre de l'écologie, de la transition écologique. Et donc, vous l'avez vu, cet été? Non, pas spécialement. Moi, je l'ai vu 2 ou 3 jours au moment où il a été nommé, juste avant, à la fin des élections, quoi. Voilà, il est nommé, quoi. Et il se retrouve avec Fesneau, là, c'est un mec qui était au MoDem, je crois, qui est ministre aussi, enfin bon, voilà. Et il parade un peu pendant 2 ou 3 jours, puis après, il y a les incendies. On ne voit plus le ministre de la Transition écologique. Je trouve ça assez surprenant quand même, tu vois. Et alors, je me suis penché sur qui c'est ce Béchu. Et je suis tombé sur un article du Canard qui parle d'un autre Chu, c'est Victor Hugo, à la fin du 19e siècle, qui parle du général Trochu. Alors, qui c'était le général Trochu? Le général Trochu, c'est celui qui a succédé à Napoléon III. C'est peut-être là que commencent nos ennuis, hein,
Enfin bon, déjà avec Napoléon III avant, hein, là, d'un seul coup, théoriquement, on n'est plus dans l'Empire, parce que, le dépôt des armes, dépôt du bilan à Sedan, etc., et il y a le général Trochu qui arrive et qui, pendant 6 mois, se retrouve, ou un an, se retrouve chef du gouvernement français, quoi. C'était un général et tout. Et donc, Victor Hugo dit « Ah, Trochu !» le participe passé du verbe « trochoir ». Enfin, tu vois, à peu près... voilà. Et après, il nous fait un poème, Victor, sur Trochu. Alors, moi, le poème m'a intéressé parce qu'à la fin, on parle des marcheurs. Donc, voilà le poème de Victor Hugo sur Trochu. Et on va penser à Béchu. Il y en a qui disent que ça va être Béchu ou Béchoir, ou Déchoir, enfin, bon, bref. Voilà. Mais, encore une fois, qui donc, à ce pauvre homme, a livré ce pari qui contient Sparte et Rome. Où donc a-t-on été chercher ce guide-là, qui donc a nos destins terribles mêla ? On prend pour meneur et pour auxiliaire, on ne sait quel pauvre être obscurément construit, lent et fidèle, ayant derrière lui la nuit, dont le suprême instinct serait d'être immobile, sans tactique, sans bruit, sans colère, sans art, humble petit marcheur, morne et poussif, rêveur comme la taupe, utile comme l'âne. Victor Hugo sur Trochu, sur Béchu, sur Déchoir, sur, ouais, sur peut-être les marcheurs, ou carrément sur Macron. Macron, qui est quand même très très novateur, parce que lui, avant, il y avait un super menteur, il y avait hyper menteur, et lui, c'est double menteur. Il est menteur et en même temps, il est menteur. Voilà. Et manipulateur. Voilà, il est manipulateur. Bon, alors il nous reste 3-4 minutes, et il y a une minute qu'il ne faut pas qu'on oublie, hein, à garder pour la fin, parce que tu as un truc à nous faire à la fin, hein, Denis, hein, je n'ai pas oublié. Et donc, le constat de crise sur l'énergie, le chauffage, sur les enseignants. Les enseignants, on forme un enseignant en combien de temps, 3 heures. Il faut 3 heures pour former un enseignant. Certains enseignants commencent à dire qu'on les envoie dans la gueule des lions, on n'est pas au bourg, parce que vu de certains quartiers, comme c'est difficile d'enseigner, ouais. Des gens pas formés, pas d'expérience, ils ont dit, voilà, ça va être compliqué pour... D'ailleurs, il y en a qui ont commencé à démissionner. D'entrée, bon, c'est pas beaucoup, mais il y a quelques-uns qui, voilà, ils n'ont pas tenu longtemps, ouais, attends, ils sentent pas la hauteur et ils ont démissionné. Moi, je me suis retrouvé balancé devant une classe à un moment, tu vois, en collège. C'est vrai qu'il y a un savoir-faire, hein. Petit à petit t'apprends, mais au début c'est l'horreur, hein. Des moments où t'es complètement à la rue. Hein. Tu vois juste le milieu et... T'arrives, t'as préparé pendant 10 heures avant, t'arrives, tu finis pas ton heure par rapport à ce que t'as prévu, hein. Tout, hein. Ça se passe pas comme ça. Hein. Non. Donc voilà, déjà il y a quand même commencé à démissionner, soit déjà la rentrée c'est pas trop mal passé et tout, on va voir ça à la fin du semestre. Hein. Donc voilà, mais tout ça, il faut qu'on fasse des efforts. Hein. Il nous explique, les gouvernants, qu'il faut faire des efforts. Et pendant ce temps-là, Bruno Le Maire refuse d'accepter le fait qu'il y a des gens qui font des super profits. On va chercher... Il n'en voit pas. Il n'en voit pas. C'est pas qu'il en fait, il n'en voit pas. Ouais, il voit. Il y a des profits, les sociétés, comme il dit, les sociétés sont tenues à faire des profits. Tu sais qu'avant, déjà, il y en a qui n'ont pas vu. Il y avait par exemple Hollande, je crois qu'il n'arrivait pas à voir l'ennemi invisible. Voilà. Tu sais, ouais. Il ne le voyait pas. Non, non, mais il ne l'a toujours pas vu. Il ne l'a toujours pas vu. Donc ces gens-là, ils ont un gros, gros problème de lunettes, hein, quand même. Ouais, ouais. Hein? Oui, je pense, oui. Ouais, parce que là, quand même, c'est grave. Ils ont peut-être un cerveau là ? Ouais. Peut-être. Alors, il faut que tu nous fasses ta fin, là. Oui. Allez, c'est parti. Alors, voilà, je vais faire un quiz. Donc, attention, écoutez bien. Napoléon Ier s'en sert pour faire ses guerres. À l'initiative de Louis XVIII, en 1818, il est remis au goût du jour. Il existe 57,7 millions, un chiffre en augmentation de 66 000 unités par rapport à 2020. En juillet 2022, il était constitué d'une somme totale de 362,5 milliards d'euros. Là, on se rapproche quand même, c'est plus simple. Il a été réformé par Bruno Le Maire en 2018 avec une rentrée en vigueur en 2020. Qui suis-je ? Donc la semaine prochaine, enfin dans 15 jours, on continuera et je vous dirai
Si vous n'avez pas trouvé, évidemment. Tu nous donneras des éléments pour finir. Pour finir, et puis de quoi il s'agit. Tu voulais dire un truc en plus, non? Oui, il y a un film qui passe au navire sur les ondes blanches, donc l'histoire des ondes faites par les téléphones, les Linky et compagnie, qui passe au navire donc le 29 septembre à 19h30. Voilà, ceux qui sont intéressés par tout ce qui est ondes, ou qui sont hypersensibles, ou qui veulent des renseignements, c'est un documentaire. Voilà, à 19h30, jeudi 29 septembre. Voilà, c'était Solidaire d'abord, on lâche rien, merci à Fréquence 7, à bientôt. À bientôt. Bonsoir.